Chères Ulyssiennes, chers Ulyssiens, bienvenue dans cette nouvelle édition du PCM. Ce soir a lieu un nouveau conseil municipal et nous allons décrypter pour vous quelques éléments de ce rendez-vous incontournable de la vie de la collectivité. À l'ordre du jour, près d'une quinzaine de délibérations vont être présentées et votées par les élus. Une délibération est, rappelons-le, un texte qui sert à gérer en toute transparence les affaires de la commune. Parmi elles, seront présentés dans la continuité du précédent CM et du vote du budget de la ville, le compte de gestion et le compte administratif. Le compte de gestion concerne l'ensemble des recettes et des dépenses de l'année passée enregistrées par le comptable, c'est-à-dire le trésor public, qui vérifie la légalité de l'ensemble des comptes de la commune. Le compte administratif est quant à lui le même document, mais enregistré par la collectivité. Les deux doivent être identiques en tout point, que ce soit en termes de fonctionnement, investissement, recettes, dépenses ou encore reste à réaliser. Vous pouvez découvrir les montants sur votre écran. Ils sont identiques en tout point et sont donc conformes. Une autre délibération qui sera votée ce soir concerne la nouvelle saison culturelle 2021-2022. Après plus d'un an de confinement, la culture ouvre enfin ses portes au public et la programmation peut être lancée. Chaque année, la commune procède à l'achat de spectacles dans le cadre de la programmation de la saison culturelle. L'objectif, proposer des spectacles attractifs pour le plus grand nombre. Elle doit aussi permettre la diffusion du patrimoine culturel, favoriser les sorties en famille, soutenir les compagnies locales ou encore renforcer l'éducation culturelle dans les différentes structures municipales comme l'espace culturel Boris Vian, comme le cinéma Jacques Prévert, les maisons pour tous, les établissements scolaires ou encore les studios musicaux. À noter que pour mettre en œuvre cette saison culturelle, la ville peut bénéficier de subventions et participations financières des différents partenaires institutionnels. Cette année, 29 spectacles vous seront proposés, théâtre, danse, cirque ou encore humour. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter votre dossier du Vivre aux Ulysses du mois de juin. Chaque année, durant les vacances estivales, la municipalité donne l'opportunité à de jeunes étudiants de venir renforcer les équipes confrontées à un surcroît d'activité en cette période. Destiné aux jeunes majeurs, ce dispositif leur permet d'acquérir une première expérience professionnelle d'un mois et d'avoir ainsi un aperçu du monde du travail. C'est lourd. En tout, ce seront près de 70 postes qui vont être ouverts dans différents domaines tels que l'administration, l'animation, la peinture, la maçonnerie ou encore les serres municipales. Cette délibération a donc pour objectif d'autoriser la collectivité à procéder à la création de ces postes dont les crédits ont été prévus lors du vote du budget. Si vous avez 18 ans ou plus et que ce dispositif vous intéresse, tenez-vous informé sur lesulysses.fr et n'hésitez pas à postuler. Voilà, c'est fini pour cet épisode du Petit CM. Dans quelques instants, vous pourrez suivre en direct la séance du Conseil municipal. À bientôt!
S'il vous plaît. Je vais procéder à l'appel. Clovis Cassan, Sarah Jobert. Présente. Coco Mensa. Présente. Nathalie Béant. Oui, présente. Guénaëlle Levray. Guénaëlle Levray. Alors, Guénaëlle Levray en retard, c'est inquiétant. On va attendre qu'il arrive. Emilia Ribeiro. Pareil, ils sont ensemble. Gabriel Lomone. Présent. Awa Koulibaly, absente, m'a donné pouvoir. Chaban Chalal. Présent. Ager Mosni. Présent. Gilbert Piantoni. Présent. Rosemary Boussamba. Présent. Monsieur Souleyne Gaïdé. Annick Lepoul. Présent. Jalal Bourada. Présent. Delila Meni. Présent. Lodovico Cassinari. Présent. Latifa Nagy. Présent. Étienne Charon. Présent. Servan Charpentier. Mehdi Idouam. Présent. Ulfaz Ridat, absente, a donné pouvoir à M. Piantoni. M. Jean-Gaston Mouhounou. Mme Agnès Francard. M. Lutfi Oulalit. Présent. Mme Emmanuelle Bourneuf. M. Jean-Michel Dida. Mme Marthe Baguidi. M. Kevin Mérigo. Présent. Toujours une très belle chemise. Merci. Mme Françoise Marwenda. M. Nicolas Gérard. Mme Meriam Haddad a donné pouvoir à Françoise Marwenda, Madame Nathalie Mondin, Monsieur Loïc Bayard et Madame Michèle Descamps. Très belles lunettes. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. Nous avons immédiatement, je constate le quorum, même si nous avons deux élus qui ne sont pas encore arrivés, ce qui est étonnant. J'espère qu'il n'aura rien de grave si un d'entre vous peut leur mettre un petit message. Ok. Et du coup, je dois désigner un secrétaire de séance, parce qu'il y a des candidats. Et bien, au hasard, Nathalie Béant, je propose. Voilà. Cadeau, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Est-ce que vous souhaitez un vote? Eh bien, écoutez, je vous propose que Madame Béant soit secrétaire de séance. C'était monsieur, d'ailleurs, monsieur Didin, qui était secrétaire de séance pour la séance du 29 mars 2021. Monsieur Didin, est-ce que vous avez des remarques sur le compte-rendu qui vous a été transmis par les services? Aucune remarque, monsieur le maire. Très bien. Je ne sais pas si vous d'autres remarques, auquel cas je vous propose d'approuver ce compte-rendu, enfin ce procès-verbal, pardon, de la séance précédente. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous en remercie. Une information, des informations, vous avez été informé des décisions que j'ai prises dans l'application de la délégation pardon, que vous m'avez accordée. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions? Aucune, je vous en remercie. Et du coup, je dois vous faire une information concernant l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2020 portant ouverture d'une enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale pour le projet d'extension du centre d'hébergement de données informatiques. Data Center, le Data 4 localisé route de Nozay sur la commune de Marcoussis, présenté par la société Data 4 Service. Je peux vous donner informé qu'il y a donc une enquête publique. Je note l'arrivée de Madame Ribeiro. Je vous laisse vous installer, Emilia. Est-ce que vous avez des questions? Pas spécifiquement. L'information est donc donnée. On va faire un petit point d'information à la communauté Paris-Saclay. Hier, il y avait le bureau communautaire délibératif qui se réunissait. On avait notamment dans l'ordre du jour du bureau communautaire consultatif le début de projet de pacte fiscal. Je rappelle que depuis 2016, c'est le quatrième projet de pacte fiscal qui vient nourrir les débats de cette communauté d'agglomération. C'est un projet qui portait sur de nombreux points sur la façon dont seront organisés en termes financiers les fonctionnements entre les communes et la communauté Paris-Saclay. Monsieur Cassinari, je vous prends un peu dépourvu, mais est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots, notamment sur la dotation de solidarité communale, qui est un peu la nouveauté de ce pacte fiscal? Oui, bon, je suis un peu dépourvu, mais je vais essayer d'en dire un mot. Ce pacte fiscal, donc, tel qu'il a été présenté donc, en commission, reste encore assez généraliste, en ce sens qu'il présente des principes,
mais beaucoup de montants sont encore à décider dans le cadre de l'élaboration du plan pluriannuel d'investissement qui est en cours aussi d'élaboration. Il présente quand même une nouveauté qui pour nous est intéressante, c'est l'introduction d'une dotation de solidarité communautaire. La dotation de solidarité communautaire, c'est du reversement sur la dynamique des impôts que perçoit la CAPS, puisque maintenant c'est la CPS, pardon, puisque maintenant c'est la CPS, non plus les communes qui perçoivent l'impôt économique, l'ex-taxe professionnelle, mais qui maintenant il y a la CVAE, etc. Donc un tiers de cette dynamique sera reversé aux communes et parmi les critères pris en compte, il y a celui du revenu moyen de la population de la commune et donc pour lequel les ULIS sont assez bas dans le tableau. Et puis le revenu fiscal, le potentiel fiscal de la commune pour lequel là aussi les ULIS sont assez bas dans le tableau. Et les autres critères sont celui de l'accroissement justement des taxes ex-taxes professionnelles, et puis la création de nouveaux logements. Pour nous, pour les ULIS, cette DSC serait donc nettement plus importante que l'ancienne contribution qui était donnée, qui était basée uniquement sur la base de la création de richesses économiques. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Vous en avez débattu. Je pense qu'effectivement, il doit y avoir encore quelques points qui vont être précisés. Notamment, je le disais, les montants alloués aux différentes allocations. Et ça devrait être soumis au Conseil du mois de juin, si je ne m'abuse. Tout à fait. Merci, M. Cassinari. À noter également dans les points, je crois que sur les crédits de fonctionnement de politique de la ville, aussi une avancée, Mme Le Poul, je vous remercie pour votre suivi actif, des crédits de fonctionnement accordés à la collectivité par la CPS, qui a donc la compétence politique de la ville. Donc je crois qu'on va augmenter considérablement notre enveloppe de fonctionnement. Oui, ce sera plutôt sur l'année 2022, mais je pense qu'on aura des avancées notables sur le sujet. C'est en discussion avec au niveau de la CPS et les autres villes qui sont en politique de la ville, bien évidemment Massy et Longjumeau. Très bien. Je poursuis du coup sur les informations CPS. On avait deux choses qui concernent directement notre collectivité, en tout cas notre... Il y a la question de la compensation financière, la compensation agricole et forestière en cas d'artificialisation des sols. Vous savez que lorsqu'il y a une installation privée, l'État prévoit que cette artificialisation soit compensée par ce qu'on appelle une compensation agricole ou forestière. Il y avait eu plusieurs débats lors de notre arrivée à la CPS sur le fait que ces crédits étaient parfois attribués à des territoires qui étaient éloignés d'une autre, alors que nous avons sur nos territoires de la CPS des capacités d'absorber, enfin nous avons aussi donc besoin en termes de compensation agricole et forestière, et donc la communauté d'agglomération souhaite se doter d'un outil pour pouvoir accueillir à chaque fois que possible, dès lors qu'un projet d'artificialisation des sols peut voir le jour sur le territoire, et on sait qu'il y a quand même pas mal avec ce qui se passe sur le plateau de Saclay, que la compensation se fasse dans le secteur et aussi sur le territoire de la ville des ULIS. J'ai également une bonne nouvelle pour les usagers piétons et cyclistes de l'avenue de Normandie, donc la route qui descend vers la gare de Bure, puisque enfin nous allons réussir à élargir les voies et les sécuriser complètement pour pouvoir rejoindre les gares ou revenir depuis la gare ou le centre-ville de Bure jusqu'à le centre-ville. Et donc, c'est ce qui était acté hier soir, ce qui est une excellente nouvelle pour les usagers cyclistes et piétons qui passent sur ce secteur tous les jours, ou pas d'ailleurs. Voilà pour les informations de la communauté Paris-Saclay. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas spécialement. Du coup, je vous remercie et je vous propose de passer à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour. Juste avant, puisque je vous propose sur table une motion appelée bilinguisme qui va être lue et qui va être lue, du coup, je pense, par moi-même parce que je ne vois pas arriver Monsieur Levray et je m'inquiète fortement. Mais en attendant, je voulais laisser la parole à Mme Le Poul pour une déclaration, un avant-propos de ce conseil municipal suite au... Enfin, je vous laisse, Mme Le Poul, la primeur de ces informations. Allez-y.
Oui, merci Monsieur le maire de me donner la parole pour cette déclaration, qui est une question d'actualité en réalité. La ville des Ulysses, c'est une terre de solidarité avec sa population diverse qui est ouverte sur le monde. Nous souhaitons être une ville pour la paix, car le droit à la paix doit être le même pour tous les peuples. En ce sens, nous pouvons nous taire face à la guerre qui a repris de plus belle entre Israël et les territoires palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Ces dernières semaines, de violents affrontements ont éclaté en Palestine, faisant de nombreuses victimes parmi les populations civiles, dont beaucoup d'enfants. La Palestine n'a jamais été reconnue comme État indépendant par Israël et les territoires occupés n'ont jamais été rendus. Mieux, la colonisation s'intensifie en vidant les quartiers arabes de Jérusalem-Est. L'embrasement et la colère ont suivi. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni plusieurs fois sans vraiment parvenir à une déclaration commune, même si dans la nuit du 21 mai, sous l'égide de l'Égypte, Israël et le Hamas se sont accordés sur une trêve. Joe Biden, pressé par l'aile gauche du Parti démocrate, a également appelé à cette trêve et il se positionne désormais pour une solution à deux États, ce qui est assez nouveau pour les États-Unis. Combien de temps celle-ci va tenir, cette trêve ? Gaza est l'endroit du monde où la densité de population est la plus grande et la pauvreté y règne, selon les instances onusiennes, la catastrophe humanitaire. Le siège de Gaza est sans aucun doute un crime contre l'humanité, comme l'affirme le militant anticolonialiste israélien Michel Varjansky. Nous ne pouvons pas nous résigner à cette guerre perpétuelle qui contamine toute la région et brise même l'espoir d'une paix mondiale. Nous demandons que la communauté internationale intervienne devant un tel mépris affiché du droit international et de la justice. La gravité des événements exige des mesures fortes et immédiates, à commencer par la reconnaissance du droit des Palestiniens à recouvrer un État libre reconnu par tous, dans les frontières de 1967 et l'arrêt de la colonisation. La France a un rôle à jouer en ce sens. Elle peut et doit peser de tout son poids sur la scène internationale pour relancer le processus de paix. En sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité et de l'ONU, la France doit non seulement condamner fermement le gouvernement israélien, mais aussi appeler clairement à des sanctions économiques contre Israël, ainsi qu'au déploiement d'une force internationale de maintien de la paix sous mandat de l'ONU en Palestine. Seule la coexistence pacifique de deux États, israéliens et palestiniens, ouvrira la voie d'une solution heureuse. Quand la France reconnaîtra-t-elle enfin l'État palestinien ? Car cette reconnaissance, c'est la clé de la paix. Cette question fut posée le 19 mai au Premier ministre au Sénat, mais est restée sans réponse. La ville des Ulysses tient à affirmer tout son soutien au peuple palestinien ainsi qu'aux forces de progrès palestiniennes et israéliennes qui œuvrent en faveur de la réconciliation pour que chacun puisse vivre en paix et en sécurité. Je voudrais terminer par deux grands hommes qui ont œuvré pour la paix. Yasser Arafat, qui fut Nobel de la paix en 1994 avec Yitzhak Rabin et Shimon Peres. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous sommes engagés pour la paix, nous voulons vivre dans notre État palestinien. Et un autre grand homme, Nelson Mandela, également Nobel de la paix en 1993 pour lui. Nous savons très bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. Tout discours sur la paix reste creux tant qu'Israël continuera d'occuper le territoire arabe. Cette déclaration sera à transmettre à notre député, au Premier ministre et au Président de la République. Je vous remercie. Merci Madame Le Poul pour la qualité de ces propos. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des gens qui souhaitent réagir. Non, et du coup, je vous remercie, Annick, une nouvelle fois. Du coup, j'ouvre l'ordre du jour du Conseil municipal avec la motion proposée sur table sur le bilinguisme. Je vais en faire lecture dans l'attente. Ah, on me dit que M. Levray arrive. Il faut juste lui ouvrir la porte. Bah, écoutez, je vais... On s'est inquiété. C'est étonnant que M. Levray soit en retard. Ouais. D'accord, bon, grosso modo, simplement, juste vous rappeler dans le contexte, mais je vais laisser M. Levray le soin d'en faire un point là-dessus. Vous le savez, l'accès à la maîtrise d'une langue vivante, quelle que soit la langue concernée, de toute façon un élément extrêmement important pour l'enseignement
de l'enseignement de tous les jeunes Ulysséennes et Ulysséens en particulier, mais pour tous les jeunes et Français qui fréquentent nos établissements scolaires. Il y a en ce moment un déploiement d'écoles dites bilingues. Je vous laisse le temps, Monsieur Levrey, d'arriver pour pouvoir commencer la lecture de ce texte, à votre entrée en matière. Et nous avons sur Palaiseau un lycée international qui va ouvrir, ce même lycée qui est le seul du département, il n'est pas placé là par hasard, mais par contre on a découvert que la sectorisation de ce lycée n'incluait pas le territoire de la ville des Ulysses, ce que nous regrettons fortement, mais plus largement, et je vais laisser le sens du texte qui est là, c'est que nous regrettons fortement que l'accès à ce type d'enseignement ne soit pas également réparti sur le territoire et que nous ayons aussi sur les Ulysses la possibilité d'avoir ce type d'enseignement. Monsieur Levrey, j'espère que vous allez bien. Tout à fait. Merci beaucoup. Désolé pour le retard. On s'est inquiété. Et moi aussi. Moi aussi. D'accord. Ok. Écoutez, je vous souhaite. Je vous laisse le temps de. On est en train de lire votre motion, donc je vous laisse le soin. Ouais, je vais enchaîner. Allez-y. Okay. Très bien. Donc, je me permets une prise de parole quelque peu inhabituelle. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour partager l'indignation de beaucoup d'Ulysséens sur un sujet qui nous tient à cœur, comme Monsieur le maire vous en parlait, et dont nous parlons depuis le début de la campagne municipale. Ce sujet, c'est celui de l'enseignement bilingue, car la maîtrise d'une langue vivante, qu'il s'agisse de l'anglais, de l'espagnol, du portugais, de l'arabe, du mandarin ou de toute autre langue, est un enjeu majeur dans notre société. Elle est un gage d'ouverture culturelle, mais aussi d'accès à l'emploi dans un marché du travail plus que jamais internationalisé. Une chose que l'on sait moins, c'est que l'enjeu est aussi majeur pour les territoires. Beaucoup ont décidé d'attirer les expatriés du Brexit et plus généralement des chercheurs et ingénieurs étrangers autour de pôles économiques attractifs. Et c'est le cas du plateau de Saclay sur lequel des écoles bilingues publiques y sont créées depuis quelques années. Orsay, Palaiseau, Gif ou Massy. Toutes ces villes voisines ont compris l'intérêt de soutenir l'implantation d'écoles bilingues sur leur territoire, toutes sauf la nôtre jusqu'alors. Le lycée international qui va ouvrir à Palaiseau, le seul du département, est un symbole de cette dynamique. Les jeunes des villes du secteur pourront postuler pour intégrer la filière générale de ce lycée, soit par la carte scolaire pour la filière générale, soit via des écoles bilingues qu'ils accueillent pour la filière internationale. Toutes les villes du secteur, sauf la nôtre. Mais la carte scolaire n'est que la partie immergée de l'iceberg, car ayant déjà un lycée aux Ulysses, nos élèves continueront d'aller majoritairement à l'Essorio. Elle cache une autre inégalité qui est celle de l'implantation des écoles bilingues dans notre secteur. Le fait d'être passé par une école bilingue est un ticket vers la filière internationale au collège puis au lycée. Beaucoup d'Ulysséens nous ont fait part de leur indignation, une indignation légitime que nous ne pouvons que partager. Car en excluant les Ulysses à la fois de la carte scolaire, mais surtout de la carte d'implantation des écoles bilingues, nous empêchons toute mobilité pour nos jeunes. En excluant les Ulysses du dispositif international, on envoie un message clair à toutes les villes populaires. Ce message, c'est que les villes populaires, comme les Ulysses, ne méritent pas ce type de dispositif. En excluant les Ulyssiens, nous ne pouvons que nous interroger sur l'image que l'on renvoie. Et pourtant, le bilinguisme est déjà omniprésent aux Ulysses. Notre ville est une ville polyglotte, une ville multiculturelle, une ville de talent. Les Ulysséens montrent chaque jour qu'ils peuvent réussir mieux que quiconque dans tous les domaines. Nous ne demandons aucune faveur ni aucune chance. Nous cherchons simplement à avoir le privilège d'être traités équitablement et avec respect pour donner une chance de réussir à tous les élèves ulysséens. L'équité est un droit, la réussite est un droit, encore faut-il y avoir accès. Comme indiqué à notre député, M. Villani, nous demandons à l'État de veiller à l'égalité de traitement dans l'accès à l'enseignement bilingue pour les élèves ulysséens au sein des structures existantes sur la ville pour ne pas accroître la fracture sociale. Nous demandons également à la région de veiller à ce que le développement des lycées internationaux ne se fasse pas au détriment des investissements croissants nécessaires à l'entretien et à l'équipement des lycées déjà existants. Et enfin, nous demandons au préfet et à la direction départementale de l'Éducation nationale d'implanter une école bilingue sur notre ville. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des observations ? Madame Arwenda. Merci. Alors, dans le désordre, déjà, il y a deux sujets. Il y a le sujet du lycée, c'est une chose. L'école primaire bilingue, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas bon de mélanger deux sujets dans le même texte si on veut attirer l'attention. Bien.
Je suis entièrement d'accord sur le fond. Par contre, quand vous dites « nos élèves continueront d'aller majoritairement à Les-Souriaux », je suis désolée, mais vous descendez le lycée en flammes, là. Il est bon, le lycée de Les-Souriaux, ce n'est pas une punition d'aller à Les-Souriaux. Alors qu'on ait accès à ce lycée international, bien sûr qu'il le faut. Mais je vous rappelle quand même, et vous le savez tous, qu'on peut réussir sans passer par une école bilingue ou un lycée bilingue, heureusement, parce que sinon, ça serait triste. Voilà, donc... Moi, je supprimerai le dernier paragraphe. Enfin, je ne mélangerai pas, quitte à refaire une motion un autre jour, si vous le voulez, mais je ne mélangerai pas les deux sujets. Sur le fond, on est d'accord. Enfin, je suis d'accord, pardon. Je n'ai pas consulté les miens. Voilà. Juste pour vous répondre sur cet aspect-là, il y a évidemment que le lycée de Les-Souriaux est un excellent lycée. D'ailleurs, le lecteur de cette motion y a fait ses classes. Je regrette aucun moment. Voilà, on est d'accord. Non, la question étant de toute façon que la carte scolaire de fait concerne le lycée de Les-Souriaux et que il n'y a pas de. Ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui pourrait aller dans poursuivre un enseignement bilingue qui serait aussi qualitatif que celui que dispense le lycée de Les-Souriaux, sinon moins d'ailleurs, ne pourrait de toute façon pas. C'est-à-dire que la carte scolaire nous oblige uniquement à nous concentrer sur le lycée de Les-Souriaux, ce qui, dans un sens, est normal, mais ne permet pas à ceux qui souhaiteraient avoir un enseignement bilingue de pouvoir trouver dans le lycée de Les-Souriaux ou ailleurs une continuité d'études. Le fait est que l'enseignement bilingue n'est pas meilleur qu'un autre. L'enseignement bilingue est juste un facteur d'épanouissement scolaire supplémentaire et dans la construction de citoyens, un accès à ce qu'on va dire quelque chose qui ouvre des voies sur différentes cultures, sur différentes voies professionnelles, pourquoi pas, mais avant tout qui permet l'enseignement d'une langue de façon plus approfondie. Parce que le but de ces enseignements internationaux, si j'ai bien compris, d'ailleurs vous avez un enseignement bilingue très proche d'ici au lycée de Buc, où on a effectivement, le but c'est pas d'apprendre les langues vivantes, c'est d'apprendre les maths ou l'histoire ou toute autre matière dans une autre langue. Et c'est justement ce qui permet d'être un petit peu plus qu'une spécialité, c'est juste un mode d'enseignement différent et que se priver de ce mode d'enseignement est un peu compliqué. Par contre, on essaie de lier, et c'est le but aussi de cette motion, mais vous l'avez soulevé, on essaie de lier toutes ces questions d'accès à l'enseignement bilingue à un élément assez central pour nous, c'est que c'est déployé sur le secteur de la part, enfin, l'éducation nationale a souhaité déployer tout un tas de classes et d'établissements capables d'accueillir cet enseignement bilingue dès l'élémentaire et dès l'école primaire. Il se trouve que les ULIS a été royalement oublié de l'éducation nationale à ce moment-là et qu'on considère, et je pense que nous sommes tous d'accord autour de cette table, qu'aux ULIS comme ailleurs, on souhaite pouvoir bénéficier. En plus, nous avons la chance d'avoir de belles écoles de qualité et que nous avons plus d'élèves aux ULIS en proportion par habitant que dans d'autres communes, qu'on aurait souhaité pouvoir être réintégrés dans cette dynamique. On marque le coup sur l'histoire du lycée international de Palaiseau pour dire que c'est une fois de plus, de la part de l'éducation nationale, un coup porté à notre volonté d'accueillir aussi ce type d'enseignement sur le territoire communal. Après, je comprends ce que vous voulez dire. Globalement, ça pourrait mériter deux motions. On vous en propose une, deux en un, comme dirait l'autre, mais je comprends l'argumentaire. Je pense néanmoins que le texte ne nécessite pas d'être coupé en deux à cet instant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Observations ? Monsieur Levray, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, non, tout est dit. Ça m'étonnerait, c'est Monsieur Levray qui a écrit, alors c'est mauvais. Non, ça se peut. Hein. Et je vous remercie de bien vouloir nous les faire connaître, qu'on puisse ensuite les faire corriger dans le compte-rendu. Je vous propose de voter... Oui, Monsieur Lomone. Oui, bonsoir, chers collègues. L'idée aussi de ce dernier paragraphe, c'est de dire aussi qu'on ne veut pas l'excellence que pour nos meilleurs élèves. On veut de l'excellence aussi pour l'ensemble des élèves et que les différentes collectivités territoriales qui participent à l'équipement de nos structures eh bien, puissent continuer aussi à participer à concevoir ce genre d'école sans délaisser les structures déjà existantes. Et c'est un élément important. On ne peut pas défendre juste un point de vue d'excellence pour les élèves qui le sont déjà. Nous, ce que l'on veut en tant que municipalité, c'est de l'excellence pour l'ensemble de nos élèves. Et c'est pour ça que ce dernier paragraphe est aussi important. Merci, Monsieur Lomone, sachant que la notion d'enseignement bilingue n'est pas forcément liée à la notion d'excellence, mais qu'effectivement, on sait que pour apprendre une langue, c'est toujours quelque chose de mieux.
J'espère que vous aurez tous, parce qu'il y a beaucoup de bilingues dans notre équipe municipale, je m'en faisais la remarque, majorité opposition confondue, et c'est une vraie chance pour l'ouverture vers de différentes cultures. Je vous remercie, je vous mets au vote, qui vote contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Du coup, nous pouvons examiner les points à l'ordre du jour qui étaient inscrits jusqu'à présent, en commençant, Monsieur Cassinari, par la CPS qui change d'adresse. Oui, la délibération est simple. Hein, la CPS, la communauté Paris-Saclay, change d'adresse pour son siège social. Et donc, comme c'est inscrit dans les statuts, les statuts ont été modifiés et ça doit être approuvé par chacun des conseils municipaux des 27 communes. J'en profite pour dire un mot. Bon, on a parlé tout à l'heure du pacte fiscal et financier, du plan pluriannuel d'investissement. Actuellement, au niveau de la communauté Paris-Saclay, il y a également l'actualisation du projet de territoire qui doit traiter des années 2021 à 2031 et dont le but est d'inscrire dans la durée les grandes priorités de l'action communautaire, développement économique, mobilité, cadre de vie, transition écologique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chacun des habitants du territoire, et donc chacun d'entre nous, et chacun des Uliciens qui nous regardent, et même de ceux qui ne nous regardent pas, peuvent participer à cette élaboration du projet de territoire, de l'actualisation du projet de territoire plus exactement, notamment à travers une enquête en ligne sur le site de la CPS. Ça s'appelle « Projet de territoire, je participe » et on a jusqu'au 27 juin. Voilà, cette digression étant faite, je vous invite donc à approuver la modification des statuts annexés de la communauté Paris-Saclay suite au changement d'adresse du siège social qui se situera à partir de la fin juin au 21 rue Jean Rostand, parc Orsay Université. Et ça entrera en vigueur au 1er juillet puisque le déménagement a lieu, je ne sais plus, le 24 et le 25 juin, si j'ai bonne mémoire. On aurait évidemment apprécié qu'il puisse être aux Ulis ce siège d'agglomération, mais il va rester dans le même secteur. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je n'en vois pas. Je soumets donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je garde la parole pour donner notre avis, l'avis de la collectivité sur le retrait de la commune de Marcoussis du syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée. Vous avez eu la délibération. Je vous propose de. La commune de Marcoussis souhaite se retirer de ce syndicat tout en laissant, et on s'en est assuré, les actifs au sein du syndicat pour éviter de mettre en péril la structure plus globalement. En revanche, nous devons nous prononcer sur notre position, enfin, quelle est notre position là-dessus, étant donné que c'est une position qui appartient à la commune de Marcoussis. Je vous propose de nous prononcer favorablement pour ce retrait. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des observations. Quelles sont les raisons? Et deuxièmement, je ne comprends pas qu'on vote des trucs pour la commune de Marcoussis. En fait, c'est le syndicat, on vote pour le syndicat. Quand il y a un retrait, ça c'est d'accord. Vérifié juridiquement. Et quelles sont les raisons pour lesquelles la commune de Marcoussis? Alors, vraisemblablement, ils ont trouvé une solution de traitement de ces questions de l'enfance inadaptée différente. Ils étaient adhérents depuis 1992, si je ne dis pas de bêtises. Ce qu'ils nous ont expliqué, mais je laisserai peut-être les élus qui y siègent compléter si vous le souhaitez, de ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'ils considéraient que l'action du syndicat n'était pas efficiente sur leur commune et de fait considéraient que l'adhésion au syndicat n'avait pas de plus-value. Ils ont des actions sur l'enfance, sur le traitement de l'enfance inadaptée, notamment dans les structures scolaires en interne, qui ont l'air d'être, de leur point de vue, plus efficaces. Je précise que, étant en place depuis moins d'un an, je n'ai pas eu à juger de la qualité du service rendu par le CEI et qu'il ne convient pas de moi de commenter cette prise de position. Mais la commune de Marcoussis était adhérente depuis 1992, donc peut-être que les objectifs à fixer n'avaient pas été rendu. Oui, monsieur Lomone, je ne sais pas si madame Francard voudra rajouter un truc. Mais... Oui, rebonsoir. C'est vrai qu'avec madame Francard, nous sommes tous les deux représentants de la commune au sein du SIEI. Et c'est exactement pour ces raisons-là que vous avez explicité, monsieur le maire, que la commune de Marcoussis souhaitait se retirer. C'est-à-dire qu'elle elle trouvait de meilleurs moyens, en fait, de venir en assistance à sa population en situation de handicap. Et je ne vous cache pas qu'au sein du SIEI, les discussions ont été
nombreuses, très longues et parfois un petit peu houleuses, mais il a finalement été décidé à une large majorité que la liberté, la libre administration des communes devait l'emporter sur le reste. Et donc, au sein du SCI, en tout cas, les communes se sont prononcées favorablement pour le retrait de la commune de Marcoussis. Et c'est ce qui est proposé aussi ce soir que nous faisions. Je crois qu'il y a eu un très long et très âpre débat, si je ne dis pas de bêtises. Ça a pris beaucoup de temps, Mme Francard, vous confirmez. Voilà. Et que du coup, fidèle à nos principes, oui, Mme Francard. Non, mais si, c'est pas obligatoire. Hein, c'est... Simplement qu'il avait été rappelé à l'occasion de ces débats qu'à l'origine, le syndicat, il avait été créé. Le fait que ce soit plusieurs communes qui soient rassemblées dans un objectif d'offrir des solutions à des enfants, des adolescents et des adultes qui se trouvent en situation de handicap, cela crée une solidarité intercommunale et que, à l'occasion des débats, c'est cette notion de solidarité qui avait été mise en exergue pour tenter de maintenir la ville de Marcoussis et que ça n'a pas été pris en compte. Donc c'est bien dommage parce que l'essentiel étant de porter cet esprit de solidarité des communes à l'égard d'un secteur en difficulté malgré tout. Merci. Merci, Mme Francard. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations ? Je soumets aux voix, donc, pour avoir une position favorable à cette demande de retrait. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Adopté à majorité. Merci beaucoup. Monsieur Piantoni, ça va être l'heure de votre moment de gloire, comme dirait l'autre, présentation des comptes de gestion. Pour les téléspectateurs, qu'on les appelle, vous avez pu voir le petit CM, la présentation de ce qu'était le compte de gestion, compte administratif. Voici donc la déclinaison politique de cette présentation. Monsieur Piantoni, je suis heureux de vous laisser la parole. Merci. Alors, tout d'abord, donc, nous avons deux délibérations. Une délibération sur le compte de gestion, une délibération sur le compte administratif. Alors, pour mémoire, donc, la comptabilité de la commune est tenue parallèlement par la perception, par l'État. Alors, on répète souvent, mais le maire n'a pas de chéquier, et simplement, il ordonne de payer au percepteur. Donc, deux choses. Donc, la comptabilité de la commune est tenue ici, mais parallèlement, la trésorerie assure les dépenses et les recettes de la commune, c'est-à-dire les deux systèmes, on sépare l'ordonnateur, en gros, du comptable. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous présenter donc deux documents, mais en un, parce que c'est celui qui est de la commune, c'est-à-dire le compte administratif. Alors la procédure au niveau des finances communales est la suivante. D'une part, il y a un budget primitif, qu'on appelle primitif et qui est voté soit en fin d'année, soit au début de l'année concernée. Ce budget retrace l'ensemble des dépenses et des recettes prévisionnelles pour l'année à venir. Une fois que ces dépenses et ces recettes sont effectuées, on en tire le bilan, c'est-à-dire on regarde au début de l'année suivante, par exemple maintenant on va regarder en 2021 les dépenses et recettes exécutées en 2020 et on compare bien sûr par rapport d'une part aux résultats de l'année précédente mais aussi par rapport au budget tel qu'il a été voté et on constate les écarts. Alors, ceci présente absolument un intérêt majeur puisqu'on a vraiment l'exécution et ça nous aide à réfléchir à ce qu'on va faire les années suivantes au niveau des corrections, des nouvelles orientations qu'on va prendre, mais aussi des résultats, c'est-à-dire des économies réalisées sur l'exécution du budget. Alors, donc là, c'est à partir du compte administratif, mais je répète, sur le compte de gestion du receveur, c'est exactement la même chose. Et les services, nos services municipaux et les services de la trésorerie se sont rapprochés pour avoir évidemment les mêmes résultats. Donc, il y a des problèmes éventuellement d'ajustement de lignes, etc. Mais là, le travail, donc, et le rapprochement a été fait. Et c'est exactement les mêmes sommes dans les deux comptes. Alors, le budget de l'exercice 2020 nous dégage, donc, au niveau du fonctionnement,
des économies, je dirais des économies ou un excédent de recettes sur les dépenses de 5,7 millions. Alors cet excédent est vraiment important, puisque c'est un excédent qui représente plus de 10% des recettes. Mais quand on regarde dans le détail, il s'explique très largement par plusieurs éléments. Alors, cet excédent donc se trouve également en investissement, c'est-à-dire nous avons 5,7 millions en fonctionnement, 1,8 million en investissement, et ce qui nous fait donc un résultat de clôture de 6,847 000. Et un résultat global de 7 684 000. C'est-à-dire que pour, à la suite de l'exercice de 2020, on constate qu'on a 7,6 millions qui seront repris donc, dans le budget supplémentaire que nous voterons au mois, enfin peut-être à la rentrée de septembre. Donc nous avons donc des économies qui sont très très conséquentes. Alors, d'où viennent ces économies? Tout d'abord, on peut comparer par rapport au compte administratif 2018, 2019, 2020, et on s'aperçoit que cet exercice, cet excédent de fonctionnement de 5,7 millions n'est pas extraordinaire par rapport à ce qui s'était passé en 2018 et en 2019, puisqu'en 2018, nous avions déjà 4,7 millions, 5,9 millions en 2019, et dans 5,9 millions oui, en 2019 et 5,7 millions en 2020. En dépenses, nous avons donc au niveau de l'investissement, nous avions donc des dépenses en 2018 de 10 millions, 17 millions en 2019 et 5,7 millions en 2020. Alors évidemment, là aussi, on a des explications qui montrent que c'est une conséquence logique des actions qui ont été menées au cours de ces années. Au niveau des dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général, c'est-à-dire les dépenses, je dirais, courantes, que ce soit des petits matériels, des prestations de services divers, etc., on a une baisse entre 2019 et 2020, et aussi en matière de charges de personnel. Donc, on a aussi des charges de personnel qui ont diminué entre 2019 et 2020, mais là aussi, tout s'explique, puisque nous avons eu, entre ces deux années, des transferts en direction donc, de la CPS, la communauté Paris-Saclay. Alors, les charges à caractère général donc, sont passées de 7,2 millions à 8 millions, cette évolution, donc, qui montre donc une baisse, sont dues essentiellement donc aux structures qui n'ont pas fonctionné avec la Covid. Par exemple, Boris Vian, Cinéma Prévert, etc., le Radazic, etc. Mais on trouve toujours là une diminution des dépenses, mais du fait de la fermeture des équipements. Alors, pour les charges de personnel, donc, on a eu, du fait aussi de la crise sanitaire, du ralentissement dans les recrutements et aussi des faits de la fermeture d'équipements, des baisses de vacations et aussi des baisses des heures supplémentaires. Donc là, on a une incidence Covid importante. Les autres charges de gestion courante donc, sont à peu près équivalentes et les atténuations de produits, alors là, il y a le Fonds national de garantie individuelle ressources. Alors, c'est un mécanisme très complexe dans lequel, donc, nous, la ville des Ulis, considérée comme riche à une certaine époque, donc, est prélevée pour alimenter ce Fonds national de solidarité. Maintenant, j'essaie de ne pas être trop long ni trop hermétique. Les recettes de fonctionnement. Alors, dans les recettes de fonctionnement, on a les produits des services du domaine. Là, évidemment, nous avons une baisse. Pourquoi ? Simplement, nous avons eu moins de recettes de restauration scolaire, moins de recettes de Boris Vian. Alors, je ne parle pas de la piscine, puisque là, elle est complètement noyée.
Donc, beaucoup moins de recettes, puisque toutes les prestations de services ont été vraiment en baisse. Par contre, au niveau des dotations, donc nous avons la DGF qui se retrouve à peu près pareil à 2 millions, la DSU à peu près pareil, les impôts et taxes, la taxe d'habitation, donc 4,8 millions, le foncier bâti, 9,2 millions. Alors là, évidemment, ces impôts-là la taxe d'habitation va disparaître, donc, et il ne restera plus que la taxe foncière sur les propriétés bâties. Alors, d'où quand même l'importance d'accueillir, alors évidemment, au niveau des constructions de logements, là, nous sommes limités, mais au niveau des nouvelles constructions sur Courtabœuf, là, nous avons quand même une possibilité d'augmenter cette taxe. Mais, là, on s'aperçoit qu'en tant que variable maintenant d'ajustement au niveau de notre budget, nous avons pratiquement plus que la taxe foncière sur les propriétés bâties et qui, elle-même, risque d'être encadrée. Donc, les marges de manœuvre des communes pour financer leurs actions sont réduites à peau de chagrin, quoi, puisqu'il n'y a pratiquement plus rien. Alors, pour les anciens élus, très anciens, on avait donc la taxe professionnelle, il y a très longtemps, enfin pas très longtemps, mais qui était un impôt sur lequel on pouvait s'appuyer, et les communes qui accueillaient des industries pouvaient là trouver des ressources importantes. Et au départ, par exemple, la ville des Ulysses, plus de la moitié des recettes de la ville des Ulysses étaient constituées par l'impôt économique, donc la taxe professionnelle, et aussi transformations des taxes sur les salaires qui existaient aussi il y a fort longtemps. Donc, tous ces impôts économiques, maintenant, on a été passé donc à plus de la moitié qui était de l'impôt économique. Et maintenant, donc, il ne nous reste plus que le foncier qui représente à peine un quart des recettes de la ville. Donc, tout le reste dépend des contributions extérieures et dans laquelle nous avons donc une dépendance, mais qui n'est pas propre à la ville des Ulysses, qui est exactement pour toutes les communes où donc l'autonomie financière est complètement grignotée. Les produits des services, donc évidemment, là, il y a eu une baisse, donc comme je vous l'ai annoncé. Donc cette baisse, maintenant, dans les recettes de fonctionnement, donc ça, j'en ai parlé, puisque les recettes de fonctionnement. Alors, vous avez aussi une présentation fonctionnelle des recettes fonctionnelles qui nous donnent par secteur d'activité les recettes et les dépenses. Alors, ce tableau-là que vous trouverez dans cette note de présentation pourrait être intéressant s'il était comparé dans le temps, parce que savoir que tel service gagne ou perd, bon, ça peut être intéressant, mais nous ne sommes pas dans une comptabilité marchande avec une comptabilité analytique qui nous dirait là vous avez gagné de l'argent, là vous en avez perdu. Je crois que c'est pas notre but recherché, c'est de voir de l'utilité sociale dans chaque dépense plus que de savoir combien ça a coûté, combien ça a rapporté. Donc, nous avons tellement de contraintes que ça ne présente pas un grand intérêt, sauf peut-être dans le temps, à voir si les situations se dégradent ou s'améliorent financièrement. Maintenant, au niveau de l'investissement. Alors, l'investissement, ce sont donc il y a trois sortes de dépenses d'investissement. Il y a d'une part l'investissement physique, tel qu'on le connaît, c'est-à-dire vous achetez du matériel, vous construisez un bâtiment. C'est de l'achat de biens qui durent plus d'un an. Donc, vous achetez des ordinateurs, etc. Ce sont donc des équipements. Deuxième dépense d'investissement, c'est le remboursement de la dette en capital. Alors, le remboursement de la dette en capital, nous en sommes à peu près à 1,8 million par an. C'est-à-dire nous sommes peu endettés. Mais c'est aussi un avantage pour nous, donc surtout en début de mandat, puisque nous allons pouvoir
contracter des emprunts. Nous ne sommes pas au taquet au niveau des emprunts. Donc, il y a des possibilités d'emprunt pour réaliser les équipements tels qu'ils ont été envisagés dans notre programme politique, donc tel qu'il était présenté et approuvé largement par les citoyens. Voici donc la structure. Alors là, donc, d'une année sur l'autre, évidemment, on a eu une très forte baisse de l'investissement. Mais comme je vous dis, lorsque vous intégrez, par exemple, des réalisations importantes faites sur la ville par l'aménageur, la Sorgem, tout de suite, vous montez en investissement. Et là aussi, nous sommes dans une année de transition, 2020, c'est-à-dire c'est une gestion par l'équipe précédente et par notre équipe, qui est donc une gestion sur avec deux commandements, donc sur laquelle il y a des investissements peut-être qui seraient faits, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il, et puis il y a eu la Covid aussi, alors là, qui a fortement impacté tous les grands travaux, puisque dans cette période-là, les entreprises, même de BTP, étaient en fermeture pendant une bonne partie, donc ça nous a fait moins d'investissement, moins de possibilités d'investissement. Et notamment, donc, on dépense donc les dépenses d'équipement. Si on prend ces dépenses d'équipement, on arrive seulement à 3,8 millions. Vous voyez, c'est très, très faible. Et là, vous avez le détail sur cette note de présentation. Là, je vais aller là. Alors, les restes à réaliser. Alors, les restes à réaliser, c'est surtout donc en matière d'investissement. Ce sont des choses donc qui sont commandées en 2020 et qui seront payées seulement en 2021. Alors là, dans ce reste à réaliser, nous avons deux points importants. C'est le fonds de concours voirie à reverser à la CPS suite à l'ajustement de voirie. Donc, nous avons eu un gain de... un fonds de concours voirie, donc c'est pour 395 000. Et il y a aussi les loges d'artistes ABV, donc pour 474 000. Alors, ces loges d'artistes, évidemment, donc, on a assisté à quelques appels d'offres et modifications d'appels d'offres, modifications d'avenants à des offres cette année. Donc, ils nous ont payé cette année, donc 414 000. Mais qui étaient donc engagés sous le précédent mandat. Les charges financières, donc, c'est les 1,8 million d'emprunts. Et en recettes d'investissement, donc, on s'aperçoit que nous n'avons pas mobilisé d'emprunt, puisqu'il y avait un emprunt d'1 million qui n'a pas été levé, puisqu'on n'en a pas eu besoin. Et déjà, depuis plusieurs années, on ne lève pas d'emprunt. Donc, ce qui nous donne... aussi, c'est du fait qu'il y a eu moins de réalisations. Recettes d'investissement. Voilà. Bon, donc, alors maintenant, je vais peut-être m'arrêter là avant de passer au vote. Et si le maire vous y invite à poser des questions. J'ai évidemment vous y invité. Sur ce compte de gestion. Pas de questions d'observation. Voilà, il revient que nous constations la conformité des écritures du compte administratif qui sera présenté juste derrière, mais je pense que, enfin, qui sera présenté, qui vous a été présenté, puisque les deux sont concordes et que nous devons déclarer que ce compte de gestion dresse pour l'exercice 2020 n'appelle ni observation ni réserve de la part de notre conseil municipal. Vraisemblablement, c'est le cas. Du coup, je vous propose de voter. Qui vote contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Je suppose qu'il y a pour le pouvoir aussi. Et donc, nous avons constaté que le compte de gestion, et c'est bien normal, et compte administratif était identique. Monsieur Piantoni, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur la délibération suivante qui nous présente le compte administratif. Du coup, par contre, je ne peux évidemment pas prendre part aux opérations de vote. Je vais donc laisser à Madame Jaubert le soin... de participer aux opérations de vote et je m'écarte. Pardon ? Oui, mais c'est madame. Ah oui, oui. Excusez-moi, il faut que je fasse voter le fait que c'est madame Jaubert qui va prendre les opérations de vote. Je pense qu'il n'y a pas d'autres candidatures et pas de vote contre et ni d'abstention.
Eh bien, du coup, je laisse Madame Joubert gérer et je m'écarte pendant quelques secondes. Concernant le compte administratif, il est proposé au Conseil de constater la conformation des écritures du compte administratif et donc du compte de gestion qu'on a vu dans la présentation de M. Piantoni pour 2020 pour le budget principal de la ville. Et donc, arrête le compte administratif 2020 du budget principal de la ville. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Donc, avec les pouvoirs. Merci. On peut rappeler, donc adopté à la majorité. On y revient tout seul. Je n'en doutais pas. Bravo, Madame Joubert. Merci beaucoup. Je garde la parole, du coup, parce que nous avons une petite rectification à faire sur les subventions aux associations. Comme vous savez, lors du vote du budget, nous avons dédié une enveloppe de 773 747 euros. C'était le chapitre 65 qui a été voté au titre des versements des subventions aux associations. Vous savez, chaque année, la collectivité soutient l'activité associative, cette année en particulier, dans l'ensemble des pans qu'elle concerne. Nous avons réussi à travailler avec les associations qui nous avaient fait de demandes pour pouvoir satisfaire au maximum et toucher au maximum à leur demande, réussir à continuer à les accompagner, ce qui est un objectif à la fois qui nécessite une déclinaison financière et bien entendu opérationnelle, partenariale. Nous avons, dans ce cadre-là, non pas, nous ne sommes pas trompés sur l'enveloppe, mais en revanche, il y a eu quelques modifications qui doivent être apportées, puisque des versements de subventions aux associations, donc les montants crédits inscrits au budget ne nécessitent pas d'être modifiés, mais par contre, dans l'annexe budgétaire, il y avait quelques petites erreurs dans le tableau, puisque les trois associations que je vais citer doivent avoir une subvention telle que je vais la citer également, et qui n'était pas inscrite dans le tableau annexe du budget. Donc l'association A Pénélope pour une subvention à hauteur de 15 000 euros, l'association En 2000 Scrap à hauteur de 200 euros, et l'association Citoyen Écologité Solidaire à hauteur de 250 euros. Cette modification nous permet du coup d'attribuer ces subventions aux associations et rappeler que les crédits prévus pour ces subventions sont bien prévus au budget 2021 au chapitre 65. Désolé pour cette petite erreur. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations ? Je n'en vois pas, je soumets donc au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Adopté, je vous remercie. Je poursuis, Madame Méni, je suis heureux de vous céder la parole. Oui, bonsoir Monsieur Nuer, chers collègues. Alors, en prévision de la période estivale, du coup, et pour permettre de répondre à une surcroît d'activité concernant effectivement les services de la collectivité, il vous est demandé, Monsieur le maire, d'autoriser en fait la création, dans le cadre du dispositif JobET, la création de 68 postes, donc 67 à temps plein et 1 à mi-temps. Effectivement, ces créations de postes permettront de répondre du coup à un surcroît d'activité qui concerne effectivement tous les services de la collectivité, puisque vous noterez que sur juillet et août, il y a effectivement tout ce qui est donc rénovation en fait des structures, la remise en état, les travaux d'entretien et effectivement une réelle augmentation en fait de l'utilisation et de la fréquentation des équipements municipaux. Merci, Madame Méni. Voilà un dispositif qui permet à de jeunes Ulysséennes, jeunes Ulysséens de pouvoir prétendre à un petit job d'été, comme on le dit. Bon, c'est un dispositif qui est renouvelé et qui existe depuis longtemps sur la collectivité, mais auquel nous sommes particulièrement attachés. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, c'est ça ? Juste une petite donnée chiffrée. Nous avons reçu dans le cadre du dispositif job été 128 candidatures à ce jour, dont 63 Ulysséennes.
qu'évidemment, aucune discrimination possible pour l'emploi. Et c'est bien normal. Donc, ce dispositif fait des émules en extérieur de la collectivité. D'ailleurs, on a eu un travail avec les collègues de la communauté Paris-Saclay, puisque l'objectif, c'est aussi que dans l'ensemble des collectivités, que les jeunes de telle ou telle ville qui veulent accéder à ce type d'emploi puissent le faire dans les collectivités qui les entourent et pas seulement celles de la ville où ils sont résidents. Merci, Madame Meigny. Est-ce qu'il y a des questions, des observations concernant le renouvellement de ce dispositif job d'été? Je n'en vois pas. Je soumets donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Les jeunes apprécieront pouvoir découvrir l'environnement administratif municipal pendant ces 2 mois de trêve estivale où j'espère il fera quand même un peu beau. Nous allons parler Sicovie. Monsieur Piantoni, je vous laisse démarrer puis passer la parole à Madame la présidente qui a quelques mots à nous dire, puisqu'elle présente du Sicovie et est présente avec nous, membre du conseil. D'accord. Alors, je pense donc que Madame Béant, donc, qui est la présidente du Sicovie, va nous présenter donc ce dossier, puisqu'elle le connaît parfaitement, puisque c'est elle-même qui est demanderesse. Mais peut-être, je crois qu'elle ne participera pas au vote, étant donné qu'elle est partie prenante. Mais c'est elle qui va donc nous expliquer un peu plus sur le Sicovie et son besoin en matière de personnel. Allez-y, Madame Béant. Oui, bonjour à tous. Je voulais faire quelques rappels sur ce qu'était le Sicovie. Donc, il a été créé en 2003 par 3 communes, la commune de Bure-sur-Yvette, de Gomes-le-Châtel et des Ulysses. Et c'est un syndicat intercommunal de la coulée verte de l'Yvette. Donc, sa création a 4 objectifs. Aménager et réglementer ces différents espaces pour en permettre l'accès au public, faire de ce lieu un secteur intercommunal voué aux loisirs et à la détente, gestion de l'utilisation du viaduc, par les associations notamment, gérer et entretenir le viaduc des Fauvettes. Une étude sur la solidité du viaduc avait été effectuée. Protéger le site de la coulée verte, maintenir des activités agricoles et développer ses fonctions écologiques. Actuellement, une étude sur l'aménagement d'un parcours pédagogique a été votée au sein du Sicovie. Les utilisateurs sont les sapeurs-pompiers, les gendarmes, le GIGN pour leur activité d'entraînement, ainsi que des entreprises de formation pour des manœuvres de sécurité pour les travaux aériens. Il y a également des sportifs pour l'escalade et la spéléologie. Et le Cozy Rock, le comité de défense des sites et rochers d'escalade, qui a installé les points d'ancrage sur le viaduc, se charge de vérifier régulièrement leur solidité avec leur matériel. Pour information, en novembre, cette association organise également une journée d'entretien du secteur, ramassage des détritus, petit élagage. Voilà. Il y a également des tournages de films. L'année dernière, il y a eu la série Sam qui est venue tourner. Et au mois de juin, j'ai donné mon autorisation pour que Mimi Mati puisse venir tourner un de ses épisodes sur le viaduc, dans le cadre d'une mission d'escalade. Voilà. Et il y a également de nombreux promeneurs, surtout pendant le confinement, ça a fait le plein lorsqu'on avait le droit d'aller se promener un petit peu plus loin qu'un kilomètre. Le financement du Sicovie est fait par les communes au prorata du nombre des habitants. Et donc, nous avons demandé à ce qu'une convention soit faite entre la ville des Ulysses et le Sicovie pour qu'un agent puisse prendre la responsabilité de la gestion, entre autres des instances délibératrices, la gestion administrative, comptable et le contrat d'assurance du Sicovie. Merci. Et donc là, vous demandez, Monsieur Piantoni, de signer une convention pour mettre à disposition cet agent, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est un dixième d'agence, un dixième de TP, qui avait l'entouple. Oui, je vais profiter peut-être, pendant que le maire me redonne la parole, pour compléter un peu, puisque j'ai été président, fut un mandat ou deux mandats du SICOVI, qui donc était... Alors, je vais vous retracer un peu l'historique. Alors, le viaduc, qui est la pièce maîtresse de ce syndicat, était en délabrement total, et il menaçait même d'écroulement, il devenait dangereux. Et donc l'État a souhaité se débarrasser de ce viaduc donc, qui était en déshérence. Et à l'époque, donc, Paul Loridan, qui était sénateur, avait des dotations, comme tous les parlementaires, pour dispenser de l'utilité publique. Et donc, il a été, dans les différents contacts, l'État a été d'accord pour remettre en état le viaduc, mais surtout pour s'en débarrasser. Il ne voulait plus du tout en entendre parler de cette structure. Alors, à ce moment-là, donc, il y avait deux solutions. Ou bien le viaduc allait au privé, c'est-à-dire il y avait déjà des entreprises qui envoyaient donc une utilisation, une utilisation qui serait bien sûr mercantile, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc au niveau des trois communes, du moins donc de Bure et de Gomes, on a décidé donc que nous on pouvait reprendre le viaduc pour en le mettre à la disposition donc du public. Alors depuis bien sûr son utilisation a prospéré. Mais c'est dans le bon sens, quoi, parce que s'il est utilisé. Alors, cette coulée verte s'intègre aussi dans le Paris-Chartres. Paris-Chartres, qui est une coulée verte qui remonte sur Paris, parce que vous avez des trucs à partir de Massy, etc. Et donc, cette coulée verte s'intègre dans ce cheminement. Et donc, même il y a eu des pourparlers, à un moment donné, pour aller plus loin en direction de Chartres, à partir donc de Gomes. Donc, cette coulée verte, alors maintenant que la CPS, elle a tout, enfin, ce syndicat intercommunal a toutes les conditions requises pour être absorbé par la CPS, puisqu'il répond à tous ses objectifs, les trois communes qui font partie déjà, c'est dans les intérêts communautaires de la CPS, donc il n'y aurait pas de raison, sauf peut-être financière, mais je pense que la raison affective qui sera développée par le maire au sein de la CPS fera en sorte que ce syndicat sera intégré dans la CPS pour prolonger donc la coulée verte déjà qui est au sein de la CPS au travers de Villebon, etc. Villebon, enfin, le long de l'Yvette, quoi. Voilà, donc c'est tout l'historique que je souhaitais apporter à ce dossier. Merci, monsieur Piantoni. Juste deux choses. Effectivement, les promeneurs peuvent aller profiter de ce cadre magnifique, vraiment très, très appréciable. Et puis, deuxièmement, oui, en accord avec madame la présidente, nous avons signé un courrier adressé au président de la communauté Paris-Saclay, co-signé par madame la présidente et les trois maires, donc madame Selem, monsieur Vigier, pour demander à la CPS de bien vouloir se pencher sur le dossier de ce transfert de compétences du SICOVI jusqu'à la CPS, avec des garanties que nous espérons remplies, notamment sur la prolongation de cette coulée verte qui nous permettrait, pour les usagers cyclistes ou piétons, de rejoindre des pôles, notamment le pôle du centre-ville de la région parisienne, Paris, comme on le fait depuis Massy, de façon sécurisée et en bénéficiant d'un environnement plus agréable que les autoroutes qui longent nos secteurs. Voilà. Je soumets donc au vote l'approbation d'approuver cette convention et de m'autoriser à signer cette dite convention pour refacturer les frais de personnel relatifs au temps de travail une fois par an au SICOVI. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je n'en vois pas. Merci, Madame Béon. Merci, Monsieur Piantoni, pour ces... C'est vrai qu'on oublie toujours que c'est la commune des Ulis aussi qui participe à l'entretien de ce magnifique patrimoine naturel qui est un des plus remarquables de l'Essonne. Il y a des votes contre, des abstentions adoptées. Et je vous remercie. Monsieur Cassinari, notre délégation de services publics pour la production, le transport et la distribution de chaleur avec la société Enerlis. Nous avons un avenant à ce même contrat. Pas mal de choses à dire, évidemment. Donc, il s'agit de l'avenant numéro 6
au contrat de délégation de service public pour la production, le transport et la distribution de chaleur avec la société Enerlis. Je vous rappelle que cette délégation de service public date de 2013. Elle court jusqu'en 2035. Il s'agit donc du réseau de chaleur des Ulysses, qui est un réseau qui a été créé en 1967. Ce réseau, il a à la fois des atouts majeurs et des points faibles. Les atouts majeurs, c'est en particulier le mix énergétique, puisque les sources initiales de chaleur proviennent de différentes sources. Premièrement, il y a la chaleur produite par l'usine d'incinération des ordures ménagères. Alors, la première version date de 1984, mais il y a eu depuis des améliorations, puisqu'en 1984, c'était à l'initiative d'ailleurs de Paul Loridan, il y avait le premier four qui avait été raccordé. Maintenant, c'est les deux fours et dans des conditions un peu plus modernes. Outre ça, il y a bien sûr le gaz, mais il y a aussi l'introduction de la biomasse. Ce qui fait qu'effectivement, cette source de chaleur est moins dépendante des fluctuations de prix du gaz. En 2020, ça a connu des fluctuations à la hausse et à la baisse phénoménales. Bon, là, c'est relativement stable. Et également, ça permet de minimiser l'utilisation des énergies fossiles. Donc ça, c'est, j'allais dire, le plus gros point fort de cette installation. Les points faibles, ben, il y en a aussi. Il y en a aussi, en particulier, sur la structure du réseau, qui, à l'époque, n'a pas été pensée, comme on le pensera aujourd'hui, donc qui manque de redondance. Ce qui fait qu'effectivement, quand il y a un problème à un endroit donné, ça se répercute sur tout le réseau ou sur une bonne part. Alors, ça peut se comprendre quand le problème se situe sur la canalisation principale, encore que normalement, s'il était bien conçu, il devrait y avoir un circuit fermé qui permette d'alimenter pas autrement. Mais des fois, on a aussi un problème qui se pose sur telle ou telle résidence, une fuite, voilà, et ça impacte tout un secteur, le quart de la ville, voire la ville entière. On a connu récemment des coupures importantes, notamment au mois de février, le jour de la Saint-Valentin en particulier, mais voilà, et récemment encore, le jeudi de l'Ascension. Deux fois, ça a été pendant des périodes fériées ou de week-end, ce qui fait qu'effectivement, bah, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Suite à ces problèmes, le maire a rencontré à plusieurs reprises les responsables d'Enerlis, en particulier lors d'une réunion du 12 mars dernier, le maire a fait part des exigences de la ville en matière de réactivité, de transparence de l'information, de la nécessité de disposer d'un diagnostic précis sur l'état réel du réseau et sur les moyens de garantir son bon entretien et son amélioration. Parce qu'il faut effectivement que ça dure. Donc, Enerlis s'est engagé à collaborer avec les services de la ville pour réaliser un diagnostic complet du réseau, à poursuivre sa campagne de déploiement de vannes d'isolement dans le but de limiter l'impact sur la fourniture de chaleur en cas de fuite localisée, à nous transmettre un planning de travaux en fin de saison de chauffe pour informer des coupures qui seront nécessaires à la réparation définitive des fuites, et également à améliorer la communication en période de crise, notamment à travers un site Internet à l'intention des usagers. Parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement des informations qui sont données aux clients, c'est-à-dire en gros aux bailleurs, mais que les bailleurs sont loin des usagers. Là, effectivement, c'était quelque chose qui était inclus dans la DSP, mais qui n'avait pas encore été mis en œuvre. Je précise qu'effectivement, ce n'est pas le tout d'avoir une DSP avec un cahier des charges magnifique, il faut encore le suivre. C'est ce que font nos services techniques, c'est ce que nous faisons, avec l'appui d'un bureau d'études qui s'appelle Énergie et Services et qui nous aide effectivement à suivre la bonne réalisation de cette DSP. Sur la communication,
Donc ce site Internet, bon, je ne dirais pas qu'ils ont été réticents, mais disons qu'ils ont mis un certain temps avant d'aboutir. Ils devraient être prêts, en principe, c'est les jours prochains, peut-être demain, il y aura cet accès de première information à l'intention des usagers. Donc ce site Internet, et puis réaliser une communication active sur l'espace client accessible aux bailleurs, aux syndics et aux conseils syndicaux des copropriétés. Par ailleurs, nous avons informé Enerlis que nous lui appliquerons les pénalités prévues au contrat en cas de coupure importante du service de chauffage. Alors j'en viens maintenant à l'objet de cet avenant. C'est le sixième. Ça veut dire qu'effectivement, il y a eu des évolutions qui ont été dues soit à des évolutions de la situation soit économique, soit législative, et puis des adaptations, bah, parce que ce contrat, il a vécu, et qu'il y avait, on voit qu'il y avait des choses qui manquaient. Là, c'est relativement technique, mais cet avenant porte sur trois points. Le premier point, c'est justement, j'en parlais, la méthode de calcul des pénalités, puisque le contrat de DSP initial parlait de jours de coupure. Bon. Heureusement, la plupart du temps, les coupures ne se mesurent pas en jours. Donc là, il y a une précision. Maintenant, ça va être mesuré en heures à partir de la 12e heure. Parce qu'on considère qu'effectivement, en 12 heures, voilà, ça a des incidences, mais c'est moindre. Voilà. Donc, premier point, la méthode de calcul des pénalités. Le deuxième point concerne la remise cogénération. La cogénération, c'est une idée qui semblait intéressante quand elle a été mise en place, qui consiste à dire, ben voilà, finalement, avec le gaz, on chauffe, on produit l'électricité, et la chaleur résiduelle, on l'injecte dans le réseau de chauffage. C'est devenu beaucoup moins intéressant, non pas tant du point de vue du coût du gaz, mais du fait de l'application de la législation qui prévoit que quand on émet des tonnes de CO2, eh bien, il faut payer. Mais ceci dit, à l'époque, ça avait été une opération intéressante, et en particulier, la DSP prévoyait une remise sur ce que Enerlis gagnait avec la cogénération, une partie était remise aux usagers. Simplement, il y a eu un petit problème de calendrier, puisqu'effectivement, la remise a été calculée et appliquée dès le début du contrat de DSP, alors que la cogénération n'a effectivement démarré que quelques mois plus tard. Donc, il y a cette précision-là qui est apportée. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, le troisième point, c'est sur ce qu'on doit payer quand on émet du CO2. Là, c'est le fruit d'une évolution de la législation. Auparavant, il y avait des quotas qui étaient gratuits et puis des quotas qui étaient payants. Jusqu'à maintenant, on n'avait rien à payer. À partir de 2022, pour tout ce qui va être émis, on va devoir payer en fonction des tonnes de CO2 émises. Le contrat de DSP initial prévoyait le principe, mais ne disait pas concrètement comment ça se passait. Voilà. Le troisième point de cet avenant tente à préciser ce point. Alors, je disais tout à l'heure qu'effectivement, la cogénération, ça semblait quelque chose de bien à l'époque, et puis ça allait un peu moins. Le contrat de cogénération va s'arrêter au bout de 15 ans, donc Et ça va nous permettre également d'augmenter la part de biomasse et donc de diminuer la part des énergies fossiles. Parce qu'aujourd'hui, on est pratiquement obligé, même si on voulait consommer moins de gaz, par le contrat qui avait été mis en place, on est pratiquement obligé de faire de la cogénération, donc de consommer du gaz. Voilà. Voilà donc les trois points principaux. Si vous voulez des détails, je peux vous en donner. Sinon, je vous invite à autoriser le maire à signer l'avenant numéro 6 du contrat de délégation de services publics pour la production, le transport et la distribution de chaleur avec la société Enerlis, ayant pour objet les trois points que je vous ai mentionnés. Je vous remercie, M. Cassinari. Je précise effectivement que nous avons rencontré à plusieurs reprises le délégataire, qu'il se,
Il se trouve que nous avons beaucoup à redire sur la gestion du chauffage et de l'eau chaude aux Ulis, sur le réseau primaire, mais sur le réseau secondaire également. De fait, nous serons sans doute à l'automne un rendez-vous proposé à l'ensemble donc notre délégataire qui gère le réseau primaire, mais également les acteurs du réseau secondaire, qui sont des entreprises qui fournissent pour les bailleurs et les copropriétés l'eau chaude directement dans les appartements et donc dans les immeubles. J'ai eu souvent à m'agacer, pour ne pas dire plus, ces derniers temps avec le même délégataire pour lui faire savoir qu'il allait falloir qu'on trouve des solutions très vite, qu'on réfléchisse sur le long terme et que le temps du laisser-aller, de la non-transparence d'informations était terminé et qu'il était hors de question que nous ayons à nouveau à subir des périodes hivernales comme nous avons subi ces derniers mois. Voilà. Y a-t-il des questions ou des observations, Monsieur Gérard ? Oui, bonsoir. Je voulais simplement revenir sur ce que nous a présenté notre collègue Monsieur Castinari. Dans cette convention, enfin dans cette annexe à la convention, il y a effectivement une modification du mode de calcul des pénalités. Monsieur Castinari l'a précisé, mais simplement je voulais revenir sur ce point. Dans le calcul, on est passé d'un calcul avec un taux journalier de pénalité à un taux horaire, qui colle plus effectivement à la durée moyenne des indisponibilités de l'eau chaude. Maintenant, il y a un autre point quand même qui a été dit, et je souhaitais en rediscuter en séance. Vous suggérez de supprimer toute pénalité lors des indisponibilités inférieures à 12 heures, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je m'en étais ému en commission, et j'avais suggéré que peut-être on pouvait limiter dans le temps aussi le nombre d'indisponibilités inférieures à 12 heures. Bon, cette solution n'avait pas été retenue. En l'état, j'invite surtout la collectivité à être extrêmement vigilante vis-à-vis du nombre de disponibilités auxquelles on pourrait être confronté. Quand je dis collectivité, ce sont les services, le maître d'ouvrage délégué et bien sûr les élus. Comme le calcul précédent prévoyait des pénalités au prorata de la journée, je vous laisse imaginer quand ça durait moins de 12 heures, ce que ça pouvait représenter. Moi, ce que je considère, c'est que moins de 12 heures sur une coupure d'eau chaude dans notre réseau primaire, logiquement, c'est quelque chose qui est quasiment imperceptible. Quand je dis ça, c'est-à-dire que le temps que la coupure arrive, il y a très peu le réseau d'eau présent sur le réseau primaire n'est pas forcément utilisé pleinement lorsque ça n'excède pas 12 heures. Par contre, après 12 heures, il faut taper. Or, aujourd'hui, le calcul qui est des pénalités, après, je vais être très clair, moi, les pénalités, c'est comme quand on se retrouve sur un terrain de foot. C'est quand il y a faute. Mon but, c'est qu'il n'y ait plus de faute. Je vais laisser M. Castinari le dire juste derrière d'autres termes, mais le mode que vous suggérez, il aurait fallu qu'on fasse accepter, et c'est peut-être aussi les discussions qu'on a pu avoir avec le délégataire, que dès les premières minutes de coupure, il y ait une pénalité. L'objectif étant que, non pas on se concentre sur les pénalités, mais sur les solutions mises en place par le délégataire pour éviter qu'il y ait des pénalités à payer. Là, on a trouvé un système qui semble coller à... Vous avez une coupure, si vous ne la réglez pas dans les 12 heures, ça veut dire qu'elle sera perceptible pour nous tous. Et donc, dans ces cas-là, on tape. Dès lors qu'il y a une coupure, ce qui peut arriver au vu de l'état de notre réseau primaire, qui, je précise, n'est pas en mauvais état, mais par contre, il a été construit initialement. Je pense que les bâtisseurs, il y aurait beaucoup à redire. Tous ceux qui connaissent un petit peu les réseaux primaires de chauffage le diront mieux que moi. Normalement, vous avez sur les réseaux de 400 un doublage qui est fait. Vous avez les deux réseaux de 400 côte à côte en parallèle. Comme ça, quand il y en a un qui saute, comme ça a été le cas en février, eh bien, le deuxième prend le relais. Nos constructeurs, nos bâtisseurs originels, quand ils ont fait la ZUP, ils ont juste oublié de doubler ce réseau de 400. Il y en a un qui pète, on se retrouve dans une situation catastrophique. Concrètement, le but est de ne pas les pénaliser dès qu'il y a une petite coupure sur le réseau primaire, comme ça a pu arriver il y a quelque temps, sans que ce soit forcément perceptible pour l'usager, hein, parce que ça arrive, on essaie d'être au courant dès qu'il y a une fuite, et je peux vous dire que on est extrêmement vigilant là-dessus, et moi le premier. De toute façon, en plus, avant qu'elle soit perçue, on essaie justement de demander de les avoir. Par contre, le but est de trouver un compromis et un consensus avec le délégataire pour qu'il se rende bien compte que ce qu'on cherche dans les pénalités, c'est à dire quand l'usager final n'est pas satisfait, on tape.
En attendant, le fait de savoir que pendant 2 heures, il y a une fuite quelque part et qu'il la règle en 2 heures, j'ai envie de vous dire, voilà, il n'y a pas de, tant qu'il n'y a pas de problématique. Moi, ce qui m'intéresse hein, vraiment dans cette convention, dans cette avance, c'est l'état des réseaux. L'état des réseaux, je veux savoir, hein, vraiment savoir où on en est sur le réseau primaire, les solutions à long terme, la cogénération qui était une solution intéressante à l'origine, mais qui ne l'est plus forcément aujourd'hui en l'état. Donc je comprends votre remarque. Moi, ce que je vous dis, c'est que si on en est arrivé à ça, pourtant vous savez qu'on n'a pas cette histoire de pénalité de nous tenir à cœur, c'est aussi que dans la discussion, on arrive à quelque chose d'équilibré aussi avec le délégataire, qui après tout est co-signataire du contrat et on n'impose pas totalement ce qu'on veut. Je vais essayer peut-être, M. Cassinari, compléter. Oui, compléter ou dire les choses d'une manière un petit peu différente, mais qui... Le but des pénalités, c'est pas de menacer Enerlys, parce qu'effectivement, une fuite, ça peut arriver. Les pénalités, elles sont contractuelles, il faut les appliquer. Généralement, au point de vue des interventions techniques, je pense qu'effectivement, ils font leur maximum, parce qu'ils n'ont pas non plus intérêt à dégrader leur image de marque. Hein. Donc, si on voulait que les pénalités soient vraiment, c'est-à-dire, voilà... Il faudrait taper beaucoup plus fort voilà. Mais c'est pas ça le but. Le but de la pénalité, c'est effectivement de dire on marque les choses et effectivement, compte tenu du réseau et puis de l'inertie du réseau, voilà, on considère que des coupures de faible durée ne sont pas perceptibles. Ceci dit, il faut effectivement, et on fera attention à ce qu'effectivement il n'y ait pas trop de petites coupures. Ça, c'est tout à fait, voilà. Mais ce n'est pas avec les pénalités qu'on règle. Qu'on règle, c'est en ayant un suivi au plus près de la façon dont le délégataire prend en compte effectivement les choses et fait son travail, et qu'il soit le plus transparent possible. Je crois que on a eu l'occasion de lui dire, Monsieur le maire, j'étais là, mais bon, voilà, l'a fait. Et bon, on sent effectivement qu'ils ont quand même, qu'ils ont compris le message, au moins dans les lettres qu'ils nous ont envoyées. Maintenant, il faudra effectivement veiller dans le futur à faire en sorte que ça soit effectif. Et effectivement, ce qui est important aussi, c'est toutes les améliorations qu'on peut faire. Certaines ont déjà été entamées. Hein, ça avait été entamé de mettre effectivement des vannes qui permettent de couper, de ne pas avoir, parce qu'on a une fuite effectivement sur l'ancienne résidence à Arepa, qui n'est même plus utilisée, une toute petite fuite de rien du tout, et ben ça oblige à couper le truc sur un tiers de la ville, tout le tiers est de la ville. C'est pas normal. Enfin, bon, voilà. Donc, des améliorations. Un audit vraiment sur l'état global, et ça, on a besoin d'eux pour faire ça. Et puis, effectivement, ça a été aussi présenté, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, c'est vu en comité des usagers et puis à la commission communale des services publics locaux, d'associer tout le monde, d'associer l'ensemble de nos délégataires, les bailleurs, les syndics, les syndicats de copropriété, les entreprises qui sont en charge du secondaire, pour que, au final, le service rendu à la population soit le meilleur possible. Merci, Monsieur Cassinari. Enfin, en tout cas, le message qui est clair, c'est moi, je n'accuse, enfin, je pense que n'importe quel délégataire, hein, comme je le dis, je le répète assez souvent, veut faire bien son travail et aspire à bien faire son travail. D'ailleurs, on a rencontré que des gens qui aspiraient à faire bien leur travail. N'en reste pas moins que nous avons besoin de suivre un peu plus au cordeau. J'apprécie dans votre remarque la volonté de dire on ne laissera plus rien passer, mais le but, c'est effectivement on ne laissera plus rien passer dès lors que l'usager final a une contrainte comme on a pu en subir, issue des problématiques du réseau primaire. En tout cas, c'est mon objectif, se battre là sur ces prochains mois pour que cet avenant ne soit que le commencement d'une nouvelle façon de travailler avec le délégataire. Et puis anticiper et envisager les 30 prochaines années pour ce qui concerne le chauffage urbain, la méthode de chauffage urbain et d'accès à l'eau chaude. Ok. S'il n'y a pas d'autres observations, d'autres questions, je soumets aux voix. Merci, M. Cassinari, pour la précision des propos. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.
Monsieur Mensa, vous allez vendre des biens mobiliers aux enchères, si j'ai bien saisi. Oui, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. La délibération que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre aux enchères des biens mobiliers, en l'occurrence 29 photocopieurs. Ceux-ci ont été remplacés par des plus récents en location, ce qui a permis de baisser le coût de la photocopie. Vous avez en annexe les références des photocopieurs. La vente des biens reformés permet de générer des recettes sur des biens dont le coût de réparation représente une charge trop importante au regard de la valeur de ces biens. Et dire aussi que chaque vente fera l'objet d'une sortie de l'inventaire communal. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à procéder au lancement des enchères en ligne sur le site webenchères.com des biens mobiliers non listés dans la présente délibération jusqu'à la fin du contrat en cours en juin 2021. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Mensa. Les non listés, évidemment, les listés qui sont dans la délibération, enfin, je ne vais pas vous lire les délimitations des charpes en question. En tout cas, je vous propose donc de m'autoriser à mettre sur webenchères.com ces photocopieurs. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je n'en vois pas. Je soumets donc aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Charpentier, quel plaisir. Nous sommes à Boris Vian, qui a vu le public revenir dans le cadre de la reprise de la saison culturelle, dans le respect des gestes barrières. Et vous allez nous parler culture avec la saison culturelle 2021-2022. Je suis tellement heureux de vous passer la parole. Bonsoir. Ici même, il y a quelques semaines, nous votions à l'unanimité une motion en soutien au monde de la culture, très affectée par la crise qui nous touche depuis plus d'un an. Aux Ulis, vous le savez, nous avons accompagné bien des artistes pendant cette période, par exemple par le biais de résidences. Nous avons également choisi de reprogrammer, chaque fois que cela était possible, les spectacles qui n'ont pas pu se jouer, et ils sont nombreux à avoir été reportés sur la saison prochaine. Enfin, l'heure est à la réouverture. C'est donc avec une joie non dissimulée que je présente ce soir au Conseil municipal la programmation de la saison 2021-2022 du Centre culturel Boris Vian. Cette nouvelle saison est faite de coups de cœur, de petites pépites, d'objets artistiques divers et variés et parfois non identifiés. Autant de petites bulles de ces plaisirs qui nous ont tant manqué, autant d'occasions de nous réunir enfin pour découvrir, pour nous interroger, nous émouvoir, pour partager. Nous voulons que cette saison 2021-2022 donne à chaque ulicienne et à chaque ulicien l'envie de pousser les portes du Centre culturel Boris Vian. Elle propose du théâtre, bien sûr, et aussi de la danse, de la musique, du cirque. Et puisque le droit à la culture est fondamental, nous souhaitons rendre les spectacles accessibles au plus grand nombre. Pour cela, les actions artistiques menées avec les compagnies se feront nombreuses et variées afin d'accompagner au mieux tous les publics. Nous accueillerons également cet hiver un conte poétique en langue des signes et nous proposerons deux spectacles à voir en famille le samedi en fin de matinée. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous invite à la soirée de présentation de saison le jeudi 1er juillet à 19h. Comme toujours, l'entrée sera gratuite sur réservation. Vous trouverez toutes les modalités dans le magazine Vivre aux Ulis du mois de juin. Pour ce soir, je vous demande donc de valider cette saison culturelle et d'autoriser Monsieur le maire à signer les contrats liés aux spectacles et aux actions culturelles qui y seront associées. Mais avant de passer au vote, je voudrais profiter d'être avec vous ici pour remercier chaleureusement tous les participants à la quinzaine des arts qui se terminera ce week-end, les agents du service culturel, bien sûr, les artistes et les commerçants qui ont été nombreux à accepter notre proposition et bien évidemment toutes celles et ceux qui ont été ces deux dernières semaines le public de cette exposition un peu particulière. Merci à vous tous. Un vrai plaisir de découvrir que notre territoire a beaucoup de talents artistiques qui se sont exposés dans des lieux un peu
inédit, puisque c'était dans les commerces, au sein de nos commerces. Je crois d'ailleurs que même la vitrine du Centre culturel Borésian accueillait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, des patchwork que j'ai aperçus depuis la rue. C'était un vrai plaisir. Merci, Madame Charpentier. Merci, Mme Francard. Merci au service. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations ? Eh bien, je vous propose de valider la saison culturelle telle qu'elle est présentée dans la délibération et qu'elle vous sera présentée donc au public le 1er juillet. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Madame Le Poul, grand moment puisque nous parlons de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bailleurs qui se trouvent dans le secteur du quartier politique de la ville. Vous avez fait un gros travail pour qu'il y ait un meilleur équilibre qui soit pensé sur cet abattement et l'utilisation de cet abattement de taxes. Je vous laisse la parole. Tout à fait. Merci, monsieur le maire. Alors, donc, cette délibération concerne l'exonération de 30% de la taxe foncière, donc TFPB pour les initiés, taxe foncière sur les propriétés bâties, dont bénéficient les bailleurs sociaux des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette exonération est fixée par les différentes lois de finances. L'actuelle a été prorogée donc jusqu'en 2022. Pour les Ulis, il s'agit des quartiers donc des Hautes-Plaines, de la Donnière, les Avelines, le Bosquet, les Fraisiers et puis Adoma. Et 4 bailleurs sont concernés par le sujet, donc 3F, Logirep, CDC Habitat et CDC Adoma. Bien évidemment, cette exonération s'accompagne d'actions que les bailleurs doivent mettre en place au profit de leurs locataires avec des objectifs de qualité, de cadre de vie, de cohésion et de développement social. Il s'agit principalement de plus de présence de personnel, du surentretien, plus de tranquillité résidentielle, des travaux d'amélioration du cadre de vie, mais également des actions de lien social, de vivre ensemble et d'insertion. Pour rappel, ces actions ne doivent en aucun cas être de droit commun. C'est-à-dire ce qu'ils doivent d'une façon normale aux habitants. C'est d'ailleurs ce point qui pose souvent problème aux Ulis, comme partout en France, à vrai dire. Nous avons donc, dès le début de ce mandat, été très clairs avec les bailleurs sur ce point non négociable et fixé un minimum de 30% de l'exonération pour de véritables actions au bénéfice direct des habitants. Lors du comité de pilotage du 3 décembre 2020, présidé par M. le maire, les bailleurs sociaux du QPV ont présenté leurs programmes d'action respectifs et se sont assurés que leur inscription était dans nos orientations politiques. Dans le fléchage des actions spécifiques de lien social, par exemple, nous avons entre autres des aides au financement de permis de conduire ou de BAFA, des animations en pied d'immeuble, des participations au village culturel qui va avoir lieu, au plan été également, vraiment des actions au cœur des quartiers, par exemple la ferme Tilly-Golo qui ira au cœur des quartiers, des actions sportives sur les dalles en lien avec le COU, mais aussi sur le plan culturel avec fanfare, théâtre, cabaret d'été dans les résidences, mais également jardin partagé, fruitier en pied d'immeuble, fresques mosaïques sur les murs des habitations, actions et ateliers pour la réduction de la fracture numérique, on en a parlé, et ça aussi c'est un sujet dont on a vraiment parlé avec les bailleurs. Mais également participation à la lutte contre les nuisibles et la régulation des volatiles. Ça c'est moins, ça se faisait déjà, hein. C'est une continuité du sujet. Mais également des chantiers d'insertion pour les jeunes. Sans oublier bien sûr des actions plus classiques comme la sécurisation des parkings, des caves, des cages d'escalier. C'est important, bien évidemment, de continuer sur ces sujets-là. Ce n'est pas moins d'une douzaine de réunions de travail avec les bailleurs, les services de la ville, que je remercie au passage pour leur ténacité et qui ont répondu à notre exigence politique sur le sujet. Merci à eux. Mais également avec le Conseil citoyen qui était associé à la démarche, et nous avons d'ailleurs eu plusieurs réunions avec le Conseil citoyen sur ce sujet. Nous avons donc conjointement déterminé les contenus des projets de convention et nous finalisons actuellement la programmation 2021 dans les détails, avec les actions précitées, afin de valider les porteurs de projets qui vont participer à toutes ces actions. Bien évidemment, ces actions feront l'objet d'un suivi et d'une évaluation. Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les programmes prévisionnels d'action 2021 des bailleurs des QPV et les projets de convention d'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2021 et d'autoriser le maire à signer les conventions d'abattement de la TFPB 2021 avec les bailleurs concernés pour durée d'un an. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Madame Le Poul, parce que c'est vrai qu'on s'est, vous êtes beaucoup battu, et je salue Madame Zridat qui n'est pas avec nous, Monsieur Oulalit aussi, Monsieur Chalal, on a pas mal bossé pour que y ait Monsieur Bourada aussi, on a beaucoup bossé avec les bailleurs pour que ils comprennent un petit peu les enjeux de comprennent un peu ces enjeux, et je pense que le message est bien passé, en tout cas au vu de cette programmation. Visiblement, on est sur la bonne voie. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je n'en vois pas. Je soumets donc aux voix. Je propose d'approuver et de m'autoriser à signer cette convention, ces conventions, puisqu'il y en a plusieurs. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Madame Béhan, je vais vous repasser la parole pour une convention de mise à disposition de table de tri par le CIOM, ce qui explique Madame la vice-présidente. Merci, Monsieur le maire. Avant de vous parler des tables de tri, je vais vous rappeler l'intérêt du tri sélectif du biodéchet. Donc, le biodéchet est constitué de déchets alimentaires et des autres déchets naturels biodégradables. Donc, un intérêt écologique évident. L'amendement de matières organiques naturelles peuvent en partie combler l'appauvrissement des sols et remplacer les apports en engrais de synthèse qui pèsent considérablement sur le bilan énergétique global, où il peut également être une source d'énergie par la métallisation. D'un point de vue légal, depuis 2012, les professionnels qui produisent des tonnes de biodéchets ont l'obligation de trier et de faire valoriser dans les filières adaptées qui mettent en place du compostage ou de la métallisation. Et maintenant, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, publiée le 19 août 2015, généralise le tri à la source des biodéchets pour tous les habitants d'ici 2025. Donc le tri à la source des biodéchets, c'est-à-dire au plus près des lieux de génération, est nécessaire pour détourner ce flux de déchets de l'élimination. En effet, les biodéchets n'ont aucun intérêt à être brûlés aux ULIS, puisque ça ne génère aucune source de chaleur. Par contre, si c'est méthanisé, ça permet de générer de l'énergie. Donc ça a un intérêt économique et écologique. L'intérêt économique également est que si on trie nos déchets, nos biodéchets, les déchets ménagers seront plus légers, car aujourd'hui, la tonne de traitement en incinération coûte 3 euros la tonne, et d'ici 2025, ils passeront à 15 euros la tonne. Donc on a tout intérêt à diminuer nos déchets ménagers qui sont brûlés au CIOM. Donc je reviens à la délibération de ce soir. Le CIOM de la Vallée Chevreuse détient la compétence collecte et traitement des déchets ménagers. Afin d'encourager le tri à la source des déchets alimentaires produits par les restaurants scolaires, le CIOM a proposé de participer financièrement à l'achat de tables de tri des déchets alimentaires sur chaque restaurant scolaire de son territoire. Pour cette opération, aux ULIS, 4 écoles sont concernées, l'école des Bergères, du Bosquet, de la Queue d'Oiseau et le Parc. Les équipes du pôle restauration participeront également à cette mise en place par l'animation autour du gaspillage alimentaire, la sensibilisation des différents acteurs et des enfants, le tri à la source et la valorisation des biodéchets. La partie financière pour la ville des ULIS est de 307,20 € par table. Et donc, la délibération proposée ce soir permet d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention de mise à disposition de 4 tables de tri avec le CIOM de la Vallée de Chevreuse pour une durée de 5 ans, pour un montant de 1228,80 € TTC. Merci, Madame Béhan. C'est vrai que le tri et plus globalement la gestion des déchets aux ULIS, c'est une vraie problématique.
notamment lorsqu'on constate à l'approche des encombrants et même beaucoup plus souvent le nombre de déchets qui sont déposés et qui n'ont rien à faire sur la voie publique. Le week-end dernier, quelques élus ont pu constater un dépôt sauvage pour lequel nous avons pu identifier cette fois-ci le contrevenant. Je précise, ce sont des choses qui sont totalement intolérables et que vous avez suffisamment d'informations, notamment sur le site du CIOM, sur ce qui peut être jeté les jours d'encombrant ou qui peuvent être traités. Donc on en parle souvent avec M. Oulalit, c'est vrai que le travail que font les services municipaux pour entretenir notre cadre de vie et notre environnement plus globalement est assez colossal, et on espère que notre prévention citoyenne et notre travail chacune et chacun finira par payer pour que tout le monde se responsabilise sur la question de la propreté et de la gestion des ordures et des déchets. Juste un petit point à mettre votre honneur aussi, Madame la vice-présidente du syndicat intercommunal des ordures ménagères. Vous avez obtenu, c'était une forte demande de notre équipe municipale, qui est un bilan carbone de l'usine de traitement des déchets qui soit réalisé par le CIOM, commandé par le CIOM plutôt. Et nous avons obtenu l'accord du président sur ce principe. Et donc nous saurons à peu près quel est l'impact environnemental de ce type de gestion des déchets, sachant que l'objectif est d'en avoir de moins en moins à brûler. Est-ce qu'il y a des questions, des observations ? Je n'en vois pas. Je soumets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Madame Jaubert, je vous cède la parole. Délibération numéro 13, avec une enquête publique pour... Je vous laisse parler. Allez-y. Rebonsoir à tous. Donc effectivement, il s'agit de se prononcer sur, suite à l'enquête publique, donc de donner l'avis de la commune concernant donc la demande de la société Colt d'étendre son activité qui se trouve dans la zone de Courtabœuf. Donc la société Colt Technologies est un opérateur spécialisé dans les services de réseau à très haut débit notamment, et déjà propriétaire dans la zone d'activité de Courtabœuf de deux parcelles sur laquelle il y a déjà un bâtiment. C'est une parcelle qui se trouve qui est proche de l'autoroute A10, donc qui est en bout de zone d'activité. Donc le projet consiste effectivement à construire un nouveau bâtiment. Pour ce faire, la société Colt Technologies a donc déposé une demande d'autorisation environnementale et un permis de construire, donc, qui a été déposé en octobre 2020. Et du coup, suite à ce dépôt de permis de construire, il a été réalisé une enquête publique qui s'est déroulée du coup du 12 avril au 12 mai de cette année. Qui est consultable et qui donne une idée et une synthèse des impacts possibles et puis des dangers liés à cette activité. Donc pour résumer très brièvement, on notera qu'il y a un impact faible de par son implantation dans la zone d'activité de Courtabœuf, qu'il y a une trentaine d'arbres hautes tiges qui vont être plantés dans les espaces verts des parcelles, et que... ils achètent de l'énergie électrique issue d'énergie renouvelable. Donc évidemment, on a aussi l'implantation de groupes électrogènes avec tous les risques liés à ça qui sont notés, sachant qu'ils ne seront utilisés évidemment que essentiellement en cas de panne, de déficience sur le réseau électrique pour alimenter leurs bâtiments. On notera de façon générale que ce projet densifie une zone déjà urbanisée, déjà imperméabilisé et non évidemment un espace naturel. Donc à ce titre, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur ce dossier. Et donc au titre des installations classées pour la protection de l'environnement déposées par la société Colt Technologies. Et à cette occasion, en aparté, nous voulions vous préciser qu'il nous apparaît déterminant de réfléchir collectivement à la diminution de l'impact écologique du numérique, et qu'à cette occasion-là, on aimerait mener une conférence-débat sur la réduction de l'impact
écologique et énergétique du numérique de manière générale. Et donc c'est une action qu'on souhaite mener à la rentrée de septembre-octobre. Voilà. Merci Madame Jaubert. Je me tournais en même temps vers Messieurs Idouam et Mounou qui sont au taquet sur la question. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations ? Je n'en vois pas. Je soumets donc aux voix qui votent contre, qui s'abstient. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. C'était le dernier point à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Comme il est de tradition, je laisse éventuellement la place à des questions diverses. Écoutez, comme je n'en vois pas, juste un point d'information rapide pour ce qui concerne ceux qui nous suivent en direct. Je vous donne rendez-vous demain soir à 20h sur le Facebook et le YouTube de la ville des Ulis pour... Monsieur Charon, pour voilà, le festival Les Ulis en vert, je ne sais pas si j'ai un programme quelque part, mais en tout cas, si la caméra veut bien se tourner vers Monsieur Charon qui tend fièrement, ou Madame Brandeuf qui tend le programme des animations de ce premier festival écologique et solidaire de la ville des Ulis, qui a lieu dans un cadre bien particulier. Mais demain soir, on en déclinera les grandes lignes lors d'un live spécial où vous serez présents à mes côtés. Je vous en remercie. Merci à vous toutes, à vous tous. Prenez soin de vous. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et une fois de plus, merci aux services publics qui nous accompagnent au quotidien avec beaucoup de sérieux, de rigueur et surtout de volonté. Donc merci beaucoup. Bonne soirée à tous.